pero se perdió el interés. No es lo mismo sin mí, eso tú lo sabes. Y en la cama no llevábamos re bien, pero pa' mano siempre fue mero. Hey tout le monde, donc nous sommes dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment mettre vos musiques personnalisées dans Roblox ou encore Adopt Me. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors c'est parti, donc déjà vous allez vous rendre sur Roblox ici, donc voilà, sur votre accueil de Roblox, sur le web, pas sur l'application, et vous allez cliquer sur le petit créer. Une fois que vous aurez cliqué sur ça, vous allez avoir plein de petits trucs qui apparaissent ici. Et vous allez cliquer sur audio. Une fois cela, vous arriverez dans juste ici avec toutes les musiques que vous avez déjà importées, si vous en avez déjà fait. Donc dans ce cas-là, vous savez comment on fait. Mais du coup, voilà. Alors sache que vous ne pouvez pas importer n'importe quelle musique. Par exemple, vous voyez toutes les musiques là qui sont droits d'auteur, que ce soit sur YouTube ou sur là, eh bien elles sont claim sur le champ, donc vous faites attention car vous ne pouvez mettre que 100 musiques par mois, donc faites très attention. Ensuite vous allez cliquer du coup sur choisir un fichier, et donc comme je vous disais, sélectionnez bien une musique libre de droit. Donc pour cela je vais faire un exemple avec une musique Dixon. Donc du coup voilà, imaginons je sélectionne par exemple Wana qui est juste ici, je clique sur ouvrir, donc bien sûr faut avoir la musique sur son ordinateur comme ceci, et vous cliquez sur upload. Alors là ça a marqué un truc bizarre, ça a marqué que l'upload n'avait pas marché, je sais pas pourquoi. Donc dans ces cas là bah il suffit de recommencer parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Donc je pense en fait les amis qu'il ne faut pas mettre des trucs hyper attachés, sinon le truc bug. Donc faites attention lorsque vous téléchargez les musiques au niveau du nom du fichier, voilà, faudra le renommer sur Roblox. Une fois que votre audio du coup aura bien fonctionné et ce sera importé, vous allez cliquer sur le petit paramètre qu'il y a ici et vous allez cliquer sur configure pour voir bien que ça met bien la bonne musique, parce que des fois on a des surprises et ça met pas du tout la musique qu'on a mis. Enfin moi ça m'est déjà arrivé, donc vérifiez bien que c'est votre musique Du coup voilà, donc attendez ensuite juste que votre musique se charge pour pas qu'ils vous disent ouais vous avez un truc les amis cette musique n'est pas libre de droit sur Roblox. Donc vous voyez le choix est assez compliqué, donc c'est pas grave, on va en mettre une autre. Donc j'en ai sélectionné une autre, j'ai mis on va remettre quand même du custom parce qu'en théorie ça fonctionne. J'ai mis appart. Ouais, donc si vous avez pas de musique, bah faudra juste en télécharger. Mais vous patientez quelques minutes. Du coup, voilà, donc là ça y est, ça s'est importé. Et donc on va bien voir si ça fonctionne parce que Roblox détecte ça sur le champ. Ah là ça fonctionne comme vous pouvez le voir. Et donc si on clique, attendez, je vous mets juste le son, sinon vous allez rien entendre. Maintenant vous allez pouvoir entendre. Vous voyez, ça marche parfaitement. Voilà, ça marche très très bien. Donc on peut pas vendre d'audio, hein, ça juste pour le préciser. Mais bref, ce qu'on veut maintenant c'est comment on fait pour l'ajouter sur Roblox en fait. Enfin non, là je veux dire l'ajouter sur un jeu. Parce que c'est bien beau, oui, aller dans notre boutique, mais vous allez voir comment je vais faire. Je vais prendre l'exemple avec le jeu Adopt Me, parce que c'est un jeu dans lequel c'est possible de faire ça. Donc je vais me connecter pour vous montrer. Sache que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, donc ça se trouve il y a plein de gens qui savent le faire parce que cette fonction doit exister depuis des années. Mais moi, je savais, comme je suis un peu bête, et bien je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait, et donc je ne comprenais pas du tout pourquoi. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa maison, etc. Et ça marche aussi dans la pizzeria, je crois. Donc voilà, alors aussi, n'hésitez pas à réactualiser de temps en temps pour bien vérifier qu'il vous a bien laissé votre audio. Donc c'est le cas, il n'y a pas de problème. Comme vous le voyez, il m'a laissé mon audio sans souci. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le jeu en question, comme moi vous êtes bon, là moi j'ai choisi Adopt Me parce que je pensais le jeu que vous jouez à peu près tous. Voilà, vous cliquez sur play et vous sélectionnez le truc que vous voulez. Et vous allez faire ce que je vais faire tout de suite. Alors attendez, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc au niveau du matériel, il faudra juste avoir quelques bugs, donc à peu près 37 je crois, ou non 39 pour avoir ceci, donc le jukebox. Si vous ne l'avez pas, au pire vous l'avez dans la pizzeria, mais ça marchera dans la pizzeria, mais pas dans votre maison. Ça marche pas sur toute la map, mais ça marche du coup dans votre maison et dans la pizzeria. Vous cliquez sur change music, et vous allez cliquer, alors là c'est toutes les musiques qu'il y a par défaut. Là donc, c'est les musiques qui sont portées, et vous allez cliquer sur search. Et ici c'est marqué song name or ID. Alors soit vous mettez le nom du truc, soit vous mettez un ID. Donc par exemple, moi j'ai déjà testé, si je fais ça, hop, si je tape Dixon, il n'y a rien. Donc ce que je vous conseille de faire, vous allez tout simplement aller dans votre endroit
d'audio et vous prenez les petits chiffres qui apparaissent ici. Ensuite, vous cliquez sur copier et vous allez aller dans Roblox, cliquez ici et faire CTRL-V pour coller. Et vous allez ici tout de suite retrouver votre musique en moins de 2 minutes. Donc regardez, c'est juste hyper simple. Et vous allez ensuite cliquer sur le petit plus. Au moins comme ça, elle est ajoutée dans votre bibliothèque. Et quand vous cliquez du coup jouer la musique, ok, ça a raté le truc, ça devrait mettre une musique en fait. Bon alors normalement quand vous avez fait ça, c'est censé marcher, mais si comme moi votre truc il est un peu bête, ça marche pas, n'hésitez pas à aller vérifier que votre audio est bien mis en place parce que c'est un peu bizarre. Pourtant mon audio il marche donc c'est bizarre. Vous voyez c'est pas au point cette truc. On va aller à la pizzeria pour que je vous montre parce que du coup là ça marche pas. Alors oh mais si pourtant la musique. Oh mais je suis bête les amis. Eh hey, hey. Voilà. Et là vous voyez ça fonctionne. Donc vous voyez en fait c'est juste que j'avais oublié de remettre le son. Donc voilà petite astuce si vous voulez mettre vos musiques préférées qui sont libres de droit bien sûr sur Roblox. Donc voilà il faut juste un jeu qui accepte le search easy. Bref du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.